peut-être avec une idée de ce que pourrait être le futur du demi-fond. Il y aura dans cette course beaucoup de Kenyans également, dont le fils du très légendaire Kip Keino. Ouais, vous avez raison de parler de futur, car il n'a que 21 ans, Elie Rouge. Et Marty Keino, lui, en a 24 dans cette course, et c'est vrai qu'on va peut-être l'oublier pour se concentrer sur le duel qui va opposer Nourdine Morceli, qui avait été battu récemment par Daniel Comen, le Kenyan, et qui joue vraiment gros là. Voilà, Elie Rouge en deuxième position, Nourdine en bleu là. Ouais. Et Elie Rouge en rouge. D'ailleurs Kurt, voilà, il se place là. Elia Marou, le Kenyan, qui est à la corde. Hicham Elguerou juste à côté de lui avec le 229. C'est l'Espagnol Viciosa qui représente l'Espagne, parce que Pierre Mincacho, le champion olympique de Barcelone, n'est pas là. Voilà, alors je n'ai pas parti très vite, hein, il faut le dire. À l'extérieur, tout en blanc, là, c'est Martin Keino. Ouais, vous vous rendez compte? Ah oui, c'est le fils. C'était en 68 et on pense encore à lui. Hein. Bien sûr. Alors que Nourdine Morceli est en train de se rapprocher, il est parti très prudemment, Nourdine. Oh oui. Et il a laissé Hicham Elguerouge pour l'instant. Regardez, 63-17 au 400 mètres, ça va pas vite. Hein. Alors on est sur les bases de 4 minutes au 400 mètres, hein, Patrick, à 30 secondes de la moyenne qui ferait celle du record du monde. Ça va pas rester là. Le record de France de Patricia Jatté, là. Complètement, ben, allez. Mais à ce jeu-là, bon, Morceli... Qui est le meilleur à votre avis à ce jeu-là? Je pense qu'en tout, bon, Morceli peut tout se permettre, mais il était peut-être un petit peu fatigué ces derniers temps, et je crois que cela fait ses affaires, simplement, ce train. L'affaire de Nourdine. Ouais, je crois. Sa vitesse de base, il l'a. N'oubliez pas qu'il a perdu un 3000 mètres, hein, face à Comen, une de ses rares défaites depuis 2 ou 3 ans. En tout cas, regardez comment Nourdine Morceli s'est rapproché d'Hicham Elguerouge, et là, il vient de se décaler brutalement pour peut-être essayer de passer, alors que c'est Bédu Sénion Gabo avec sa belle poulet, vous le voyez, maillot tout bleu. Oui, mais le pauvre. Qui est en train de faire l'extérieur et de se rapprocher d'Elguerouge. Vous avez les trois meilleurs en tête pour l'instant. Ouais. Elguerouge, maillot rouge. Gabo deuxième position, Nourdine Morceli troisième. Oui, mais la manière dont Elguerouge est parti dès qu'il a senti qu'à l'extérieur quelqu'un commençait à arriver, on parle, signifie quand même certaines choses. Il y a William Tanui également, le Kenyan, qui se place en quatrième position. William Tanui qui avait fait des étincelles sur 800 mètres, qui a donc une phase qui donc est capable de terminer très très vite aussi, William Tanui. Champion olympique du 800 à Barcelone. Ouais, attention. Allez, 1000 mètres, les 1000 mètres sont passés. Ça a un petit peu, ça a bien sûr accéléré. Nyon Gabo maintenant qui va essayer de passer Elguerouge qui résiste. Alors que va pouvoir faire Morceli? Ça y est, parti, voilà. Il va partir. Nourdine Morceli est en train d'accélérer. Hicham Elguerouge essaye de l'empêcher de passer. Il reste un tour, Morceli est parti. Avec Hicham Elguerouge, William Tanui en troisième position. Elguerouge va suivre. Hein. Venus Nyon Gabo en quatrième position et Elguerouge qui suit Morceli. C'est là où il ne faut pas laisser partir, où il faut essayer au contraire de s'accrocher, de s'abriter peut-être du vent. La vérité, l'heure de vérité dans quelques instants, est-ce qu'Hicham Elguerouge, 21 ans, va réussir à tenir tête au prince du demi-fond de Nourdine Morceli? Oh là là, il est facile, Elguerouge, regardez, alors que Morceli est en train de tirer sur ses bras, j'ai l'impression qu'Elguerouge est toujours très fluide. Il va rester là, il essaie de passer, ça, jamais ça n'est arrivé ça, Morceli. On n'a jamais vu cette image, jamais vu. Hicham Elguerouge qui attaque Nourdine Morceli, Morceli va-t-il résister? C'est peut-être un passage de témoin exceptionnel auquel on assiste ici à Milan. Hicham Elguerouge est le nouveau roi du demi-fond. Il est passé sans problème, victoire historique. Hicham Elguerouge devant Nourdine Morceli qui n'assiste pas. Oh oui. Et... quelle victoire! C'est facile de dire après.